Hey, bonjour à tous. 5h32 du matin et je vous fais une vidéo, vous avez vu? Il est pas gentil le tonton Émir. Bon, j'espère que vous allez bien, petit café. J'espère que vous allez bien malgré la claque du reconfinement. Enfin, personnellement, pour moi, ça change pas grand-chose. Ce sera toujours la même routine. Mais pour les restaurateurs et tout ça, c'est short. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aujourd'hui on se retrouve sur un petit gameplay vite fait de plantes versus zombies. J'ai détruit tous les pièges et bruits du coin, les plantes peuvent venir ici soigner leurs ampoules. Okay. Donc oui, on se retrouve sur plantes versus zombies Battle for Nightbourg, donc la bataille de Nightbourg. Ah, c'est marrant, c'est le truc de plantes versus zombies 2. Pas enfin, sur le jeu jeu de plateforme, pas de plateforme stratégique. Donc oui, on se retrouve sur Plants vs Zombies et le Neighbor. Bataille de Neighbor. Je vais vous présenter le gameplay du mode solo, enfin solo coop, comme mode aventure. Peut-être plus tard le mode... Faut entendre tout péter. Peut-être plus tard le mode... multi. Pardonnez, je suis pas trop réveillé, j'ai bien trouvé tous les mots. Fouille sur la gueule, vas-y, fume-le. Hop là, nécessité de signateur. Ok. Faire pousser une plante. Hop, on enlève notre petite base. Et voilà, c'est parti. Je vais alors aider le colonel Mabel à battre Old School. Ok, lui par contre il veut quoi? Ne faites pas attention, moi j'ai juste besoin de faire une pause. Qu'est-ce qu'il veut? Je suis sergent pelure, mais vous pouvez m'appeler sergent pelure. Ok. Je meuble en Neighborville depuis l'époque où les arbres étaient orange. Il se passe beaucoup de choses ici. Jeune pousse, je peux vous appeler jeune pousse. Enfin bref, jeune pousse, Dave Delingo m'a demandé de former une escouade d'élite. J'ai rassemblé la crème de la crème autour de moi et mon frère Mark Dave m'a obligé. Un peu moins, mais ok. Vous voulez bien aider mon escouade à accomplir ses missions? Les habitants qui se cachent chez eux ont besoin de manger. Apportez-moi des tacos et je vous échangerai contre du matériel. Oh! Cool! Cool, eh, ça j'aime bien. Ouais, j'ai 42 tacos. On reviendra. On reviendra. Bon, j'ai aidé le colonel machin. Vous êtes prêt à protéger cette ville et casser les zombies, mon chou? Alors, la bataille pour Neighborville, c'est comme une piscine sans fond. Enfilez votre maillot de bain et préparez-vous à plonger dans le grand bain de Thunderdome pour éliminer Old School. Ok. Entrez dans la fin du dôme. Je dis qu'il était 32 hein, quand j'ai commencé. 6h du matin, on va arrêter. Si vous avez choisi, vous gardez. Ok. Dans sa boîte de nuit, vite éliminer Old School. Et on pourra. Ok. C'est parti. Donc, déjà, à savoir qu'il est très très beau ce nouveau plan de versus zombie. Déjà, les anciens étaient très top. Pour dire, nous on l'a connu et Quid, le premier plan de zombie, il y avait 4 classes, c'est tout. On s'était dit au début, what the fuck, pour délirer, c'est quoi ce jeu pour la tester, et au final, c'était une dinguerie, et c'est toujours autant une dinguerie. C'est-à-dire que le jeu est très très beau. Hein. Il a vachement évolué avec le temps, et putain, ta gueule pas. C'est ça qui fait danser, ok. On va savoir que le solo, moi je l'ai jamais fait. Hein. Hier on a plus fait du multi. Oh, il y a un bruit là. Il y a un bruit, il y a un truc. J'en suis sûr, il y a un truc caché. Touche ma mouche.
La culasse. C'était de la tunasse. Bon alors. C'est là-dedans qu'il faut qu'on aille. Ok. Attends. Zombie TV. Oh là, messieurs, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a venir? C'est moi ou pas cool les gars dehors. La vidéo robot est programmée pour laisser rentrer uniquement les zombies cool. Et vous, clairement, vous n'êtes ni un zombie ni cool. Oh, oh. Je suis cool. Bon bah. Ok, retourne à la base. Il vient de trouver quoi un déguisement? Boum! Ah oui, il est clairement en train de faire une tondeuse. Multi-kill! Donc à savoir que beaucoup trouvent le jeu enfantin. Mais le jeu quand même, faut voir le level qui est en face parfois. Et j'ai rarement vu des jeunes dessus. Hein. D'accord. Sinon on escorte une tondeuse, ça. Ok. Allez, je sais pas ce qui fume. Ah ça c'est Electronic Arts qui font ça, donc les mêmes qui ont fait Battlefront et Battlefield. Je sais pas ce qu'ils ont fumé. Ça se trouve c'était un mode qu'ils voulaient faire sur Battlefield qui s'est transformé en un véritable jeu. Peut-être possible. Tiens vous deux là. J'ai visé comme un chacal. Escortez la tondeuse. Vous imaginez en pleine guerre là. Votre objectif, escorter la tondeuse. D'accord. Et boum! C'est moi qui l'ai! Tiens, Dr. Frankenstein. Vous emmène Stein. Appelez Zombie Stein. Ouais, quand même une petite ambiance là. Qui est terminé le rythme du boogie. Les leaders sont toujours méprisants, ne prenez pas leurs remarques personnellement. D'accord, ouais. Je suis un petit peu. On suit par DXZ alors. Forcément. Tout qui n'est pas dangereux n'est pas cool, pardonnez-moi. Mais les zombies ont beaucoup aimé cette tondeuse. Ça m'a donné une idée tellement stupide qu'elle va leur retourner la cervelle. Il tente de déclencher l'opération Looking. Je vais pas être déguisé en tondeuse quand même. Cool des amis victimes de la mode d'old school. Par exemple, récupérer le chapeau du baron, la breloque de Yeti et le bouc de Sensei. Alors, plus que... transformer en hallucinateur. Ok. Pour vous aider. Ok, allez voir Papa Maïs, le soldat glandu. Et Dédé fait tri. Pardonnez, mais les noms. Genre qu'un Hogan se termine par une explosion. Des tacos avec le sergent Pelurine. Et... si m'a récupéré une matos au passage. Ok. Récupérer des trucs cool. Ne vous laissez pas tomber, pas question de ça. Ok.
Bon, bah, je dois trouver des déchetteries. Papa et Pi, puis je sais plus qui. Qui sont, je sais pas où. Pourquoi pas? Est-ce qu'ils sont par là? Bonjour, au fond de ce puits où je suis tombé tout à fait volontairement. Un jour, je marcherai les yeux bandés pour m'amuser un peu et bam, je suis tombé au fond du puits. Et c'est vraiment le paradis ici. La seule chose qui me manque, c'est une statue de chien en cristal, genre. Rapportez-moi une, ça me ferait le puits grand bien. Oh, putain. Ok. Ouais, mais je cherche Papa Maïs et tout, là. Y a pas une carte? Ah bah si. En fait, il est... Ok. D'accord. Double. Triple. Ah, y a pas de musique par contre quand on est pas en mission. Non, elle a cru une nouvelle mine, ok. Vous savez ce qui est cool, donner un coup de main aux copains. Alors vous voulez être encore plus cool? Yeah. Le baron Von Batz n'est pas un zombie comme les autres, c'est un baron qui porte un chapeau super cool. Éliminez le baron pour récupérer son couvre-chef. J'ai pas le choix de toute façon. J'ai pas trop le choix. Comment j'ai besoin du chapeau de baron Von Batz pour améliorer une tondeuse? Vous n'auriez pas un truc vraiment cool plutôt? Je ne sais pas, moi, une chemise à fleurs, un bermuda ou un sac banane. Oh putain, non, pas le sac banane. Surtout, il ne faudra pas que la tondeuse soit trop cool. Hein. Par contre, je sais exactement où trouver le chapeau du baron sur cette tête. J'aime les blagues drôles. Okay. Plus sérieusement, j'entends souvent des musiques émo qui sortent des égouts pendant une patrouille. Descendez dans les égouts, éliminez le baron et récupérez son chapeau. Ensuite, on pourra jouer tous les deux avec mon footbag. Qu'est-ce que t'appelles ton footbag, toi? Ça me fait un petit peu peur quand même. Tiens, t'as. Après, je vais vous montrer une classe que j'apprécie. C'est plutôt sympa. Ok. That is the Baron Von Bat. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! T'es sérieux, t'as rien fait. Ah, il apparaît devant moi, ce débile. Wow. Ah, j'étais à côté d'un coffre, c'est cool. Va ta cause. Ouais, mais je vois plus rien. Lampe anti-chauve-souris de Dave et quelque part. Donc. Ok. Ouais, je vais faire quoi? Courir, c'est ça. Pendant tout son. Ah oui, effectivement. Ah, ils attendent leur tour, c'est généreux ça. Ah, le faillot les attire, c'est vrai, j'avais complètement zappé ça. Et hop là, on enchaîne les kills, on enchaîne. Multi-kill.
faut les alentours pour en savoir plus. Ok, il prépare un mauvais coup. Canapé de taffé pénal, c'est des soins. Ok. Quoi, il veut que je cherche quoi? Du saucisson? Là, là. Un pot de banane? Non? Des fois que. Ah! C'est juste une commode avec des tiroirs. C'est juste un zombie, pas de panique. Ouais, j'entends de la musique au loin. Je vois pas quoi fouiller en fait là. Là honnêtement. Trouver un indice. Pas quoi. Ah putain, c'est sous mes yeux. Baron Palooza. Baron va donner un concert, il a embauché des rodis pour apporter son matos au parc. Un concert pour faire entrer les zombies dans une vie frénétique. Trouver le matos du concert. Cinéma sans chaussures et arrêter les rodises. Oh putain. Ouf. Cinéma sans chaussures, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils appellent les rodis? Oula. Tiens. Il se déforme même pas le sagouin. C'est un médecin sans frontières. Ah, si je peux déjà lui remettre plein de museaux avant un affrontement final. J'aimerais bien que ma vie se recharge. Malédiction de chauve-souris, il est sérieux? Trouvez d'ailleurs pour petit chauve-souris, mais il n'y en a pas ici. Portez, il vous a maudit, il n'est vraiment pas très sympa. Non, pas du tout, non.
Et il s'est barré en plus, cet enfoiré. Ah, je suis peut-être pas dans la même zone en fait. On a téléporté au bout de la map. Non, il doit être par là-bas. Disons, le lutin là. Putain, bon dieu de lutin! Ok. De dieu de lutin! Prochaine mission, je vous montrerai bien une classe que j'apprécie vachement. Qui est assez marrante. Bon allez, on va lui péter la gueule à l'autre. Pendant que vous étiez aux prises avec les chauves-souris. Le baron est entré dans le parc. Okay. Ah ouais, il a foutu des affiches partout, le petit salaud. Con, hein. Gueule, toi. Non mais oh. Ouais bah tiens. Merde, c'est un champion. Je crois que mes poids font pas du tout trop de dégâts. Eh hey, Baron Von Batz, tiens. Eh hey, merde. J'utilise mon ulti dans le vent. Ah, c'est un DJ. Mais il fait mal quand même, petit con. Ça lui fait pas de dégâts, je crois même, ma bombe. Ça recharge un peu lui. Tiens, prenez celle-là. Tu utilises ton rayon, j'utilise le mien. Allez, crève, putain, vache enculé. Solide le bousin. De Dieu. Allez, plus qu'un tir. Oui, je l'ai eu. Donne-moi ton chapeau. C'est cool.
Bon. Bah voilà. Je vais juste vous présenter en vitesse la petite classe. Alors, réapparaître. Alors voici un peu les classes, hein, donc le pistopois classique, la plante carnivore qui a tout le temps eu, l'épi de maïs, le cactus et l'orange ainsi que les deux roses, enfin les deux fleurs. Donc ça, les soutiens, c'est des healers. Celui-là, il est trop classe. Celui-là, extrêmement difficile à jouer, mais ultra efficace. Mais le plus marrant, je trouve, c'est quand même celui-ci. Alors, vous voyez, petit bout de truc là, c'est le petit gland. Le cas de lire, ce gland là. Petit avantage qu'il a. Extrême avantage. À défaut de se déplacer déjà super vite. Son ulti, lui, n'est pas vraiment un ulti. C'est une transformation. En un espèce de gros tank. Et l'avantage du tank, c'est qu'en fait, des glands peuvent monter avec vous. C'est-à-dire quand il y a des joueurs en gland, donc sa phase initiale, et ben ils peuvent grimper et devenir des tourelles. Tiens! Strike! Et voilà, donc du coup, voilà, c'était Plante versus Zombie 3. En route pour la bataille de Nelborville. Donc très 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 bon jeu, très très bon jeu, franchement. Beaucoup de décors, il y a 4, pour l'instant il y a 4 domaines de campagne différents. Deux villes zombies, deux villes plantes. Plus un petit hub en fait très sympathique qui est un parc d'attraction, vous pouvez vous friter à l'intérieur. Donc voilà, je vais poster cette vidéo dans la journée, donc quand vous la verrez, vous saurez que je l'ai posté le jour même. Et par contre, j'ai une vidéo qui date d'il y a quelques jours, c'est sur c'est un rush en vitesse, hein. C'était sur Zombie Army Dead War. Je vais vous le poster aussi dans la foulée, comme ça sera fait. Bon, sur ce, les petits namis, les nanimaux, les namimaux, je vous dis, portez-vous bien. De toute façon, on est confiné, donc je peux pas vous dire attraper le virus. Hein. Sur ce, à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, tout ça, vous connaissez toi-même, tu sais. Mes amis, je vous dis à plus tard. Salut à tous. Ciao.